Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. Mon nom est Jean Granger. C'est dimanche le 26 avril 2020, 8h45, heure du Québec. Heureux de vous accueillir. On vit une époque vraiment euh, particulière. Hein? La crise actuelle nous <coughs> fait vivre quelque chose d'unique. La planète s'est arrêtée pour un instant, on ne sait pas combien de temps. Et on ne sait pas comment on se remettra en marche non plus et comment on remettra en marche cette grosse... Planète. Avant l'arrêt de cette planète-là, hein, il y avait multitude de crises euh, économiques et sociales hein, qui se jouaient sur plusieurs, plusieurs fronts en même temps. On rajoute à ça les, la crise environnementale, la crise climatique. C'est énorme. On vit dans un. Le problème, je pense, on est confronté à une espèce de de résistance, de choc ou de friction entre ce qui était avant hein, le, la crise, avant que la planète arrête, c'est-à-dire un système vraiment basé sur des sentiments, des principes vraiment archaïques, vieillots, de domination, de compétition, de partisanerie, de débat, de... Sur des questions complètement, comme on dit en anglais, irrelevant, sans importance, un pseudo-système démocratique qui remonte à il y a des milliers d'années, qui est complètement, complètement, qui n'aurait jamais dû être utilisé, qui n'a pas amené l'humain à évoluer, à s'élever, à s'unifier. Parce que c'est quoi le but de tout ça, d'être ici sur Terre en même temps? C'est que toute cette humanité là, qui est toute la même, avec des couleurs, des langues différentes, des races différentes, des coutumes différentes, mais avec toute la même source de vie, appelez-le appelez comme vous voulez, la divinité ou peu importe, on est tous la même source, on aurait dû depuis longtemps penser à élever l'humain. En faire un être universel avec des principes universels aussi, qui sont là en nous de toute façon. Hein. On le voit quand on, on, on observe les bébés, les enfants, jusqu'à un certain âge avant qu'ils soient corrompus, par justement le virus par lequel on nous corrompt depuis trop longtemps la jalousie, la compétition, la haine la peur et toutes ces folies, on aurait dû, depuis le début, prendre soin de l'enfant naissant, puis s'assurer qu'il reste ce qu'il est à la naissance, un être de pureté, avec des sentiments purs, un enfant, jusqu'à ce qu'il soit corrompu, ne voit pas la différence de race, de couleur, et de tout le reste. Donc on aurait dû s'attarder à ça depuis longtemps, mais il y a des esprits sûrement... Hein, euh, maléfiques, qui sont là depuis le début, qui se sont assurés que ça ne se produise pas. Donc ça fait 2-3 000 ans qu'on on navigue, qu'on galère. J'aime bien l'expression des Français, les cousins, galérer. Ça fait des millénaires qu'on galère avec les mêmes, mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes perceptions qu'on a de la vie. Puis ça ne nous a pas vraiment pas servi, au contraire. Puis là-dedans, on en a rajouté des couches de division. De haine avec les religions organisées. Une autre, comme diraient nos ancêtres ici au Québec, une autre patente à gosse qui ont vraiment pas aidé la situation non plus, puis qui n'ont amené aucune harmonie. Au contraire, encore plus de guerre, plus de conflits, plus de misère, plus de torture et plus de division. On est vraiment, on est rendu là. Avec, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques mois avant que ça éclate, cette crise-là, on avait plus de 40 ou 50 pays où les populations descendaient dans les rues parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Sont, les gens ne sont jamais satisfaits parce que encore là, on a programmé les gens à s'attendre à ce que le gouvernement règle toutes leurs questions et leurs problèmes, alors que le gouvernement est à la source de tous les problèmes. Et c'est pour ça que le gouvernement n'arrête pas de grossir, n'arrête pas de faire des intrusions dans nos vies et n'arrête pas euh, de nous contrôler, de nous garder dans ce système-là et dans cette ignorance-là euh, qui fait qu'on n'est on pas capable de sortir si on n'a pas la force individuelle de vouloir se sortir de ce système de pensée vraiment archaïque et négatif, puis de sortir de ça, puis d'évoluer et de se rendre compte que. La, la vie est autre chose et que la liberté, ce n'est pas un projet de loi ou un règlement, mais c'est toi qui te la donnes en t'ouvrant à l'universalité. Bien, il n'y a rien qui va se passer. Ce n'est pas les élites qui vont nous amener vers l'élévation de l'être humain. Eux, ils sont là pour nous garder dans la régression. Et là, on assiste comme à une espèce de. Il y a beaucoup de gens qui, pendant cette crise-là, comme, comme moi, qui ont senti une espèce d'éveil. Moi, j'ai senti un éveil incroyable. Et j'ai vu cette crise-là par la suite comme étant bénéfique, comme étant une grâce, un don, un cadeau du ciel. De toute façon, j'ai toujours pensé que ce système-là, depuis mon tout jeune âge, était complètement, complètement à l'envers. Je ne comprenais pas grand-chose tout petit, mais je voyais que c'était rempli d'injustice, de guerre. Moi, je voyais tout ça à l'âge de 10 et 11 ans. Donc, mon évolution m'a amené à des recherches, à passer à une étape, puis à une autre, puis à une étape, puis à une autre, jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui. Puis je peux vous dire que je ne peux pas être dans le, clan, dans le camp de ceux qui veulent tout ramener à la case zéro, ou à la case où on était, neutre, ou dans mes vieilles chaussures, d'avant la crise. Moi, je suis rendu ailleurs. Puis j'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes rendus ailleurs, qui avaient laissé ce système archaïque. Primal, vraiment, animal. Regardez le comportement qu'on a dans ce système-là, c'est hallucinant. Les guerres, les conflits, la compétition, le narcissisme, la haine, le racisme, toutes les formes de haine, l'alcoolisme, la drogue, la misère, les injustices, la torture, la guerre, le sexe, la folie, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Ben, je peux pas être. Le système économique archaïque, hein, qui date des de débuts de l'ère d'industrialisation, qui fait juste baser toute ta vie sur la consommation, l'exploitation par une petite poignée des ressources naturelles du monde entier, qui appartiennent à tout le monde, puis qui bénéficient seulement à un petit groupe, l'exploitation des populations à travers le monde, les massacres, tout ce système de pensée archaïque. Puis ça, on peut blâmer les Grecs pour ça avec leur foutue démocratie bidon. Alors qu'il n'était vraiment pas un système pour élever l'humain. Vraiment pas. Qui était la base de ce qu'on vit aujourd'hui comme système. Et c'est pour ça qu'on veut le répandre partout, la fameuse démocratie, parce que ça garde les populations au niveau animal et tribal. Et c'est là où elles sont faciles à contrôler. Quelqu'un comme moi, puis comme vous, qui avez élevé votre esprit. Vous n'êtes pas facile à contrôler, mais la, ma la masse, la majorité, le troupeau de moutons, lui qui est dans l'enclos, la majorité des gens sont tellement faciles à contrôler. Puis vous pouvez le voir au jour le jour comment ils se font contrôler facilement parce que on les a gardés. Malheureusement, ces gens-là ont la même capacité que nous, que tout le monde, de s'élever. Chaque être humain est un être infini, universel et multidimensionnel et d'une puissance incroyable. Mais ça, il faut que tu le réalises toi-même. Tant que tu ne l'as pas réalisé, tu ne le sais pas. C'est comme si tu te promenais avec une pierre précieuse dans ta poche arrière que quelqu'un était venu déposer, mais tu ne l'as jamais su qu'elle était là. Donc, tu continues à marcher comme un pauvre alors que tu es d'une richesse incroyable. Il faut que tu prennes conscience que tu as une, une, une pierre précieuse inestimable en toi, dans ta poche arrière. Puis après ça, tu peux t'élever. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir cet éveil-là. Parce que plus de gens seront éveillés et conscients de, le, de leur puissance et du fait que c'est eux-mêmes qui vont s'élever et se rendre heureux au quotidien et vivre une lune de miel au quotidien. Ben, il y aura de moins en moins de gens dans le troupeau et l'élite aura de moins en moins de gens à dominer, donc elle disparaîtra par elle-même. C'est la seule et unique solution. Je vous le souhaite de tout cœur, namasté. Je vous reviens plein d'autres nouvelles. On va avoir une petite journée quand même assez active aujourd'hui.